Et salut à tous, YouTube. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Assassin's Creed Origin. Par contre. Bonsoir, bonsoir. Par contre, l'image n'est absolument pas bonne. Alors, pourquoi est-ce que l'image. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'image? À l'aide. Hop. Ok, je comprenais pas pourquoi il y avait un problème d'image comme ça. Mais là, ça va. Là, normalement, le son est bon. Normalement, ma voix est bon. Merci d'avoir, oui, récompense club. Les bornes, hein. Là, pour le moment, c'est normal. Ok. Ouais. Ok. Ok. Alors, option. On va commencer par luminosité plein écran en fenêtre. Ok. Valeur native. Ouais, ça. On a. Ah ouais, c'est pour ça que ça n'allait pas. Ok. Ah mais non, c'est même pas encore la bonne. C'est 2560 fois 1440. Même plus ce que c'est ma résolution. On est des professionnels, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je voulais voir? C'est des paramètres d'affichage. 2560 fois 1440. 2560. 2560 fois 1000. Ok, c'est ça. Appliqué. Là, ça a l'air d'être bon. Ok, je sais pas si c'est réellement bon ou pas. 2560 fois 1440. Et là, c'est peut-être mieux. Mais non, même pas. Ok, bon. C'est vrai que j'ai absolument pas fait les paramètres avant. Tout en full freestyle. Toutoum, qu'est-ce qu'il y a de. Ok. Et si je passe en. Plein écran. Finalement, t'aurais clairement pu venir. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Là tout est bon. Tout est bon. Limite d'image. J'aimerais bien juste voir les graphismes très élevés. Est-ce que je peux mettre en ultra élevé? Et peut-être que l'ultra élevé ça passe pas. Gameplay, ok. Et let's go! Nouvelle partie, cauchemar. C'est bon pour les chatons. Moi je veux du cauchemar, je veux de la lutte, de la souffrance, je me réveille en tremblant au milieu de la nuit. Vous pouvez modifier à tout moment. Moi je crois qu'on va partir. Qu'on va partir sur un petit cauchemar. Difficulté la plus élevée. Et au pire, si on voit que c'est vraiment trop galère. Alors, allons voir justement les succès sur la difficulté. Je pense pas qu'il y ait de succès par rapport à la difficulté. Je regarde quand même. Bon, je passe en écran 2. Comme ça, on regarde aussi ensemble. Hippodrome, adversaire, hippodrome. À l'arc prédateur, tous les emplacements d'ermite, la cadavre, hommage à prédateur. Révéler toute la carte, terminer un tombeau. Je vois rien lié à la difficulté.
Tout, tout, tout. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit lié à la difficulté. On va quand même. En cauchemar. Ouais, allez, si on part en niveau cauchemar. Vu que le jeu, je l'ai déjà fini dans. Sur mon autre compte. Je sais pas encore où me placer non plus. Alors je vais me changer de place si jamais ça pose problème. Pourquoi est-ce que j'ai un écran noir? Je suppose que ça va arriver. Et là, j'ai plus rien qui bouge. Me dis pas que ça crache. Bon, en vrai, t'aurais vraiment pu arriver 15 minutes plus tard. Mais j'ai pas encore essayé de lancer le jeu en fait, donc j'ai rien pu tester. J'aurais peut-être dû tester quand même. Autant on va relancer le jeu. On va relancer le jeu, on va voir ce que ça donne. Je vais couper tout ce qu'il y a à couper. On va arrêter le jeu. Mais je pense que c'est plus ma connexion qu'autre chose là, si ça lag. Voyons voir. Parce que je crois que c'est aussi le fait d'être en plein écran et pas en fenêtré. Déjà là, il se relance normalement. Et je vois que ma connexion saute un peu en fait. Je crois que j'ai des espèces de problèmes d'encodage, mais je sais pas si j'ai la coupe. Hein. Mais normalement, je devrais avoir aucun problème, mais c'est peut-être OBS qui est mal. Qui est mal fait. J'aimerais peut-être bien acheter aussi une plus grande lampe pour avoir une meilleure. Ok. Plus tard. Jouer. Ok. Là, ça a l'air d'être déjà plus normal. Là, ça a l'air d'aller. La sauvegarde se fait et tout. Les graphismes n'ont pas l'air ouf. Est-ce que je peux les régler là maintenant? Ok, non, ça sera très élevé. Après, original a un peu vu aussi.
Ouais, je pouvais mettre ultra, mais je sais pas si ma carte graphique va tenir avec le stream en même temps. Ptolémée. Le Medjay de Siwa. Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera. On te trouvera. Dans ton sommeil. Sommeil, je ne dors jamais. Ah, je sens. Moi, j'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Patos. J'ai peur que le son du jeu aille un peu fort aussi. Tu as tué mon maître et tu m'as laissé pour mort. Tu as eu tort. Bloqué, appuyé, manne image. Mon maître était un meurtrier. J'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Tu es rapide, Medjay, mais moi je suis puissant. Je suis fier d'affronter le dernier des Medjay. On peut éviter autrement? Ok, on peut pas. Je peux essayer de mettre plus fort. Hein. Audio. Ah bah tout est déjà à fond. J'ai peur après de moi me péter les oreilles. Main juste plus, clic gauche. Ok. Ce n'est pas toi que j'ai juré de tuer. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Tant pis. Ok. Majef, faut libérer un pouvoir spécial. C'est quand même très stylé. Massue lourde. Appuyez sur Y. Alors, regarde du corps. Ah oui, on a des bonnes épées et tout ça qui. Poison, atteinte, Aida Pep. Le croc, Aida Pep. Masse lourde. Épée à curver. Moi, je vais prendre ça. Le cas bouclier. Ah oui, j'ai déjà des bons trucs vu que j'ai des DLC et tout. Poison, blocage. Donc quand je bloque, il y a du poison.
Là, je récupère de la santé, là, ça donne des magies. Mais parce que j'ai des DLC en fait. Et les DLC ajoutent certains objets. Bouclier de Medjay, non. Quel est le plus beau? Bouclier de serpent, on va jouer full poison. Normalement, ouais, j'ai déjà des autres tenues. Je me garde un peu juste ce que j'ai. Ok. Nec. Aucune issue. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. Aucune prise. La pulsion est trouver des objets cachés. Ah, c'est man levé. Ok. Alors là derrière, il y a l'air d'avoir des choses. Il y a juste un truc qui me perturbe, c'est au niveau des commandes. Action s'accroupir. Parce que pour courir, j'appuie sur Shift. Ah oui, ok. Sensibilité de la souris, j'ai pas. Ok, commande. Escalade haut. Y'a pas courir, marche, déplacement auto. Pas déplacement, hippodrome. Bon. Rabbi vient sûrement de quelque part. On verra. Mais ça, c'est pas encore le personnage principal. Ça, c'est avant le personnage principal. J'aime tellement l'Egypte. Alt. Je crois que je vais changer un peu mes touches parce que le Alt pour moi il est pas inné ici. Commande. Donc le Alt il est pour escalader haut. Je vais mettre en mage. Quoique non, si je garde Alt on verra, je vais m'habituer. Ou peut-être que je peux mettre le bouton souris. Option. Commande. Escalader haut. Ouais. Nickel. Si je les sors en CV. Un peu plus de choses. Ok, là en dessous il y a des trucs. A dû être construit il y a plusieurs siècles. Pardonne-moi, grand Amon. J'ai besoin de ça. Cet endroit a dû être construit il y a plusieurs siècles. Alors, je suppose que je dois aller là. Ok, je devais sauter là-dessus. C'est pourquoi t'es trop petit, quoi. Pas mal de trucs ici. Voilà, on peut pas aller. Est-ce que là c'est la suite ou est-ce que c'est juste des récompenses? Et ça a l'air d'être la suite. Si c'est la suite, on n'y va pas direct. Et je vais voir ce qu'il y a par là. De la lumière. Ok, donc à mon avis je devais pouvoir aller en bas. Mais mon changement écoute. On peut escalader tout ici. J'ai envie de faire demi-tour du coup. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. En vrai, ça se trouve, il y avait rien. Bon, vas-y. Tapis. On continue.
Mais arrête de juger un peu tout ce que tu vois, toi. Des soldats, bien entendu. C'était quoi? Sur lui! À mort! Ebzefa! Attention! Payek! C'est toi? C'est une embuscade! J'avais deviné! Je vais fumer pour le moment. Tu mourras, on va s'en assurer! Que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Reste 4. Bien, le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça, qu'est-ce que tu m'as manqué? Ah, mais c'est peut-être quand même Bayek. Le héros principal s'appelle Bayek. Mais il ressemble pas à Bayek. Ou c'est peut-être parce que... Il a les cheveux tout. Te voilà, toi. Allons-y, Céline. Comment vont les choses depuis mon départ? La vie est très difficile, Bayek. Ah ouais, c'est Bayek. Les villageois se j'aurais dû fouiller, du coup. L'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Je ferai mon possible. Mais souviens-toi. Je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Séni. Ptolémée, c'est le dirigeant de Basse-Égypte pour le moment, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Je sais pas si j'ai un endroit où je peux voir... Non, j'ai pas la pression pour le moment. C'est Y la touche? Ouais, c'est ça. Aptitude. Inventaire, non. Carte cible. Non. J'ai pas encore. Et je sais pas si j'aurai un endroit où je peux voir les personnalités et tout ça. Pour voir exactement qui est Ptolémée et... Bienvenue. Je me demande si c'est pas le pharaon. C'est où t'accueille à bras ouverts. Les villageois ont vécu un martyr. Personne dans la Wahat ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé, taxé ou battu. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. Tu vois que je te mens pas, Séni. N'attirons pas l'attention. Libérez le passage. Est-ce que ça va niveau stream? Est-ce que ça lag fort ou pas? Rien ne m'attend là-bas. Parle-moi. Ouais, c'est vraiment trop beau. C'est ici. C'est un vrai fléau pour l'Oasis. Comme tu peux le voir, les soldats sont devenus bien plus violents depuis son arrivée. Avant, ils buvaient et ils se bagarraient avec nous. Depuis que Medouna Moon est là, ils sont plus disciplinés et plus féroces. Tu me donnes une raison de plus pour le tuer. Ne le sous-estime pas. Il a beau être sec et maigre,
Il reste très puissant. Voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à mes doux amours. Loué soit Amon-Ru. Prêtre du pharaon. Payek est revenu à l'Oasis. Ah, allons-y, voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Je me demande si je peux pas mettre ma capuche aussi. Je crois qu'il y a une touche pour mettre sa capuche, non? Ah ouais. Mais la capuche, elle est chelou. On dirait qu'il a la tête en avant en mode... Mais c'est Horus. Donc c'est... C'est cool d'avoir la cape d'Horus. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, je n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Elle fait pas. Elle fait pas. Les soldats ont encore. Payek. Rabia. Ma Rabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien. Hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi. Des bleus. Des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez, je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Après là, j'ai vraiment l'impression que ma connexion fait de la merde. Et je comprends pas pourquoi. Le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. Un des mannequins plus solide que l'autre. Bien. Ebzefa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats viennent te chercher ! Allez ! Viens, vite ! Personne ne doit quitter cette maison vivant. Ebzefa ! Nous venons seulement discuter. Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Tendez une embuscade. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Attention ! Quoi ? Qui est là ? Baisse-toi. Il s'approche un peu trop. Oula ! Vous disposez d'un peu de temps pour éliminer l'ennemi avant qu'il vous attaque. F éliminé. Maintenant, au tour des autres. Alors déjà, je vais récupérer des flèches. Avoir droit à une surprise. Ne laisse pas les corps où on pourrait les voir. Je vais me faufiler derrière eux. Par la gloire de Ré, on ne peut pas les laisser aussi brûler ma maison. Quelqu'un couvre le nord, ils ne le verront pas ici. Donc l'autre s'occupe des cadavres. Je te crois. L'autre il est où? Il est là, ok.
retourner voir MCFA. C'était le dernier. Merci, Bayek. Je t'avais dit que ces Neketiadets se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Ah, ok, ça va. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Medunamun, Libis. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins, une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et c'est nous pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. C'est nous. C'est nous est en vie. Regarde qui voilà. C'est nous, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Y'a l'oiseau. C'est terminé, l'oasis. Niveau supérieur, un point d'attitude, dégâts santé accrus. Les faux oracles maintenir. Je peux pas me déplacer. Ok. Une quête, donc préparation niveau 2. On va suivre cette quête là. Je vois qu'il y a des attitudes. Et des attitudes. Alors 4 points d'attitude. On va prendre un point ici. On va quand même essayer de passer pas mal par assassinaire. On va prendre un point ici aussi. Comme ça on part un peu partout niveau arbre de compétences. Automatique. Yeah. Attaque aérienne. Non, à part qu'on a fini la quête, on est passé niveau 2. Ici, je regarde un peu les points de compétences. Ah, avoir plus d'argent, ça peut être intéressant de l'avoir dès le début. Si je vais prendre ça. Parfait. Niveau équipement, ben on était bon. Il y a ça qui fait plus de dégâts. Et c'est une lame lourde. L'aide de l'achat de l'attitude porteur d'armes. Ah, il y a une attitude porteur d'armes. Ah, c'est ici. Ah, j'aurais dû me déplacer vers là direct. J'aurais dû me déplacer vers équipement cible. Donc le héros. Ouh, le héron. Bayek a parcouru le vaste désert égyptien et a enfin mis la main sur Rudjek, dans la célèbre pyramide rhomboïdale de Snéfron. Première victime de Bayek, Rudjek était à l'origine de l'apparente malédiction d'Anubis sur les mines de Natron. Et maintenant, le prochain ennemi que je dois battre, c'est Libis. Il y a le serpent, ok, équipement, arme à distance. Ok, donc j'ai arc léger et arc de chasseur. C'est quoi la différence entre... Ok, je vais prendre celui-là.
Un moment. Il me faut des pots, je dois chasser. Aube et crépuscule, ouais. Si fabriquer une cuirasse. Tu trouveras des missions sur ma table. Est disponible, on prend les deux. Dans la grotte à Manaï. Je connais cette grotte. Comme deux quêtes ajoutées. J'ai pas une carte normalement. Ça ne lui ressemble pas d'abandonner. Ou peut-être parce que c'est la difficulté qui fait que je joue. Plein écran, luminosité. Graphisme, gameplay, boussole affichée. Des difficultés, cauchemar. Ouais, y a moyen que ce soit plus tard. Peut-être parce que je suis en... Bon, on verra ça après. Je dois obtenir des pots. Comment est-ce que je sais comment j'obtiens des pots? Je dois en obtenir à partir de certains animaux. Ok. Frapper l'enclume qui est niveau 3. Ok, donc je vois un petit peu tout ici. La carte est énorme par contre. La carte est vraiment énorme. Ouh, vraiment énorme. Je m'attendais pas à si grand. Je me souvenais plus du tout de... Bon, déjà... Ah, appuyer sur V. Ah non, ok, là il y a des pots. Vagabonde. 400 mètres, 400 mètres. 300 mètres, 300 mètres. Transport. Quoi qu'elle est le plus proche, c'est ça. Right position, Gerard. Ouais, donc on va avoir de quoi explorer. Hein. Voyez, c'est nous là-haut. Et je peux l'envoyer là-haut. Là, c'est marqueur pointe de vitesse mage. Ah non, mais c'est les tours. Ouais. C'est ça que je dois aller. Vagabonde. Oh. Où est-ce que je suis? Je suis là. Toum, toum. Nouveau lieu découvert. Maison. Maison, ma maison? Est-ce que je vais ouais, je crois que je vais d'abord aller là au-dessus. Chercher le point. Mais j'ai très peur que le stream lag en fait. Zone interdite. Non, à mon avis c'est plus vers la droite. Et ici je vais pouvoir monter, non? Non, c'est ça. Ah oui, il y a un coffre. Oh. Et donc tout ça c'est ce qu'il y a récupéré. Et ici, je peux synchroniser la zone. J'aime trop les jeux Assassin's Creed, c'est quelque chose de fou. Z plus pour effectuer un saut de la foi. Oh, c'est trop stylé.
Alors par là, il y a des vagabondes qui ont du cuir. Vagabonde, c'est ça. Désolé pour toi, mais je vais tuer des... je vais tuer des choses. Hop, récupérer. Alors, j'en ai vu une partir par là. Est-ce que je peux voir avec... J'ai pas l'air de pouvoir voir les animaux au sol. Ah, si, là. Il y en a une qui part. Ok, elle est là. La famille en plus. C'est une vagabonde. Ok, parfait. Si je rappuie sur V. Okay, je vois qu'il y en a une là, 120 mètres. Il y en a pas une qui était partie de derrière? On dirait pas. Ici, il y en a une. Oui, mais... Ton totem, c'est pas une gazelle. Alors, il a un nom, ton totem, non? Ok, on récupère des flèches. On récupère. Rejoignez la section fabrication de la plage d'équipement. Équipement. Fabrication. Ah, ici. Ah oui, ok, là. Fabriquer. Il aura parfaitement l'affaire. Ok, terminé. Ok. Ensuite, notre trouvaille familiale. Térémoun est revenu avec d'autres pour pouvoir protester. Ok, il est là. Ah, là, je peux me déplacer rapidement ici. Donc, je vais essayer de prendre tous les points. Pourtant, déplacement rapide. Ah ouais, ok, donc t'englobes pas mal de gens, quoi. Je vois, je vois. Alors, avant de faire quoi que ce soit, aller vers la quête, j'aurais bien voulu aller là. Hop. Ça, bref. Je peux courir vite. J'ai l'impression que je peux courir vite. Payek est revenu à Siwa. Alors là, c'était où on était de base. Maintenant, on va aller là au-dessus. Et parcours. Je fais pareil quand je vais à l'escalade. Ça que je voulais faire, hop, et on synchronise la zone. Assez humble, ouais. Je me limite vraiment à ce que je peux faire. Hop, hop, les. Ouais, donc je dois aller à 240 mètres par là. Il vient mon choual. Toukoutoum, toukoutoum, toukoutoum.
Alors pas sûr que je peux. Ouais, j'allais dire pas sûr qu'il me laisse rentrer. Oh, désolé. Les paysans sont revenus derrière le temple d'Amon. Ah mais je dois... Ah ok, je dois faire le tour. J'allais dire, eux ils ont pas l'air gentils. Ils n'ont pas l'air commodes. Bah c'est quoi? Je peux pas. Il est pas content de me voir. Ok. Ok, le mode cauchemar en fait c'est assez difficile. Il faut que je me mette dedans. Là pour le moment je ne suis pas encore mis dedans. J'aime bien souffrir dans les jeux vraiment, mettre le mode de jeu plus difficile comme ça pour commencer. Ah mais j'ai l'air d'avoir réapparu plus proche de... Ah non, c'est le type qui m'a cassé la gueule lui. Ça fera casser la gueule après. Objectif à proximité. La ligne jaune indique la direction de votre cible. Ok. Cible par là. Ah mais les lois, les chigalois douche en fait. Jamais on me voit ici. Mais je tue pas les gens là. Oh Damon. C'est trop beau par contre hein. C'est vraiment vraiment trop beau. Je peux faire un petit saut là, ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Là, il y a un garde. Moi, je dois aller là en dessous. Un garde là. De toute manière ça nous intéresse pas. Alors on doit aller là. Si je dois aller là je vais me faire repérer. Faudrait que je lui casse la gueule à lui avant. Ah, s'il va vers moi. Ah non merde, il y a deuxième. Non. Neutralisé. Ils sont même deux. Bon, on va essayer de ruser. Et le troisième. Est-ce que j'ai raté des choses? Je pense pas. Ah mais il a emprisonné le gosse. Ne te montre pas. Mais il a pas l'air en forme le bonhomme. Moon a l'air un peu... Ah il est mort de ses blessures carrément. Je peux escalader. Ah. Apparemment non. Ah si. Arme Damon. Bon, est-ce qu'il y a déjà des ennemis sur le chemin? Ok, ici. Avançons. Ok, là il y en a un.
que je vois d'autres choses. On va éviter de pas se faire voir. On va éviter de se faire voir plutôt. Un ennemi ici, là. Et temple d'amande, on le quitte. Je peux appeler mon. Je peux te déposer. Ah oui, je peux le déposer dessus. Parfait. Est-ce qu'on peut faire du freestyle avec le cheval aussi? C'est la question. Ok, on a l'air de pouvoir passer un peu partout. Les morts qui font du bruit. Est-ce que je peux sauter? Ouais. Il y a une triste nouvelle. Où est Issa? Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille. Hélas, je vois que Térémon a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourment et souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu arriver les soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Ils voyageront ensemble vers la droite. La droite, c'est un peu le paradis. Si jamais. Ça me plaît ? Ce n'est pas ton esprit rebelle qui t'a valu la mort, c'est... Mais oui, mais je l'ai déjà fait, le jeu. Je le connais. Mais j'avais kiffé le faire. Mais là, je le redécouvre. Un peu, parce que ça fait longtemps que je l'ai fini. Et ouais, je le trouve toujours aussi monstrueux. Ah, ma plaie. J'ai compris, ça te plaît. Oui, ma plaie, bah ça va mieux, mais j'ai toujours mal. Elle est toujours un peu là. Ok, donc j'ai fait la quête. Il y a le trésor, on fera ça après. Quête niveau 3. Hop. Ah, on a une nouvelle attitude. Je vais prendre ça pour aller chercher le porteur d'armes après. La grotte d'Amanay est cachée dans les montagnes au nord-est de la maison de Pessa. Et puis ça, il est où? Ok, il est là. Statue de Ptolémée. Frappez l'enclume. Je veux le dire par frapper l'enclume. Déplacement rapide. Ok. Alors, je crois que j'ai souligné une quête. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a une statue de Ptolémée. Là, il y a une quête. Allez voir ce que c'est. Alors, 36 mètres, 30 mètres. Bayek, notre... Qu'est-ce qui est arrivé à ta forge? C'est Neketia d'être de soldat. Un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle. Ils n'avaient pas tort. Non, mais ils m'ont pris tous mes outils. Ah, les chiens. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on m'ait débarrassé de ce capitaine aussi laid qu'Apep. Tu sais où je pourrais le trouver, ce capitaine, et tes outils? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedjeh. Je rapporterai tes outils. Je m'occuperai de ce capitaine.
Ok. Inventaire, c'est pas ça que je voulais voir. Carte, quête, cible. Ah, j'ai un magasin en ligne. Extension. Ça, on les a. Tac. Ah oui, j'ai de l'argent et... Oh, pack mort vivant. 1250. Ah, cloufoque, what the fuck. Ah, celui-là, il est stylé aussi. Ah, oh, celui-là aussi. Équipement. Ah ouais, je peux acheter juste des trucs avec les crédits. Guerrier de l'ombre, de pharaon, soldat scarabée, momie. C'est 300, ça c'est les boucliers. What the fuck, un espadon. Il y a des trucs vraiment chelous. Mais il n'y a pas de trucs à acheter au final. Pas de trucs dont j'ai pas besoin, mais... Time Saver... Crédit Elix, acquis. Mais bref, on s'en fout. Divi. Le capitaine voleur d'outils est aussi le chef du camp chez Jay. Statue Ptolémée. Ptolémée. Nous a tous tellement fait souffrir. Ok, lui, c'est méchant. Je peux le fumer. Ok. Bon, j'ai tué tout le monde. Ok, ça a dû durer Ptolémée détruite. Ici, je vais récupérer mes flèches. Si je peux. Ok. Alors, il y a un truc là à 500 mètres, mais je pense qu'il y a une... Frapper l'enclume à 76 mètres, ouais, elle est beaucoup plus proche. Je dois aller récupérer des trucs là-bas. Objectif à proximité 150 mètres. Ah, c'est un campement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Déjà, ici, il y a quelqu'un. Là, il y a des gens. Là, il y a des gens. Peut-être autre chose dans le campement. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Et là, il y a l'air d'y avoir pas mal de gens aussi. Tout, tout, tout. Là aussi. Vu que je joue en difficile, je m'assure de... m'assure bien d'avoir une bonne vision de ce qui se passe pour rentrer dans ce genre d'endroit. Alors le 3 c'est un espèce de boss. Je commence par aller fumer le boss. Je crois que c'est une mauvaise idée. Tout le monde va se ramener sur moi. Donc, ce qu'on va faire... Ok, il arrive bien tout seul ici. On va donc aller chercher les autres. Alors ici. Si lui il monte là au-dessus... Munition complète. Là, il y a un type. Hop. Lui, foutu. Pas le déplacer. Non. Ok, là, il est mort.
Pour moi, s'il est mort, on peut pas le voir et je peux le déplacer ici. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le capitaine, on a lui là tout au bout. Lui il est mort. Il me reste combien de flèches? Est-ce que je vois? Ouais, 13 sur 15. Ça, ça va. Lui, hop. Là au-dessus, est-ce que j'y vais déjà? Je crois que je vais essayer d'aller le tuer lui. Mais lui me fait peur. Et les autres vont me voir si je le tue. Ah, en plus il y a le campement. Comment est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais tuer ceux-là au-dessus? Ouais, je crois que j'allais tuer ceux-là au-dessus avant. Ah, en plus il y en a qui s'éloignent un peu. Ça va être le moment. Il y a le deuxième qui arrive. Ok, du coup il reste que le troisième là. Attends-toi. Ah, ok, parfait. En fait, ça c'est le truc pour rappeler tout le monde. Il y a des problèmes, donc si lui je le garde en vie, qu'il me voit tuer le boss, je vais me faire fumer. Comment tu peux piéger ça? Ça va servir à rien. Maintenant, lui. Il fait tellement aucun dégât. Voit, non? Ouais. Ouais, ok, parfait. Et du coup, il y a ça à les récupérer. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de trucs à prendre. J'oublie tout le temps de check. Urgent multi, c'est important de garder à pied à Siwa, sinon ils nous tueront. Je t'aime de tout mon cœur. Mais aucune offrande ou prière ne saura remplacer la volonté d'un guerrier. C'est en combattant que nous parlons aux dieux. Le cas, c'est une partie de l'âme. C'est une espèce de dualité que t'as en toi. Hop, ton corps et ton cas. Je vais pouvoir te balancer des petits rêves de temps en temps. Alors. Bon, je vais essayer d'avoir le plus d'argent possible quand même. Il y a des choses que j'ai pas ramassées là. Il y en a une là au bout. Tant pis. Oh, il y en a un que j'avais. Ok. Et je dois retourner à 190 mètres. Ça va, tu suis toujours, il n'y a pas trop de lag.
Ici, qu'est-ce qu'on a? En quoi pourrais-je t'aider? Je peux acheter. Ok. Je peux lui vendre des choses. Adieu et bonne chance. Est-ce que t'es toujours là? Bayek, sois prudent. Bayek. Siwa est un endroit dangereux. Voilà tes outils. Ce capitaine ne remettra plus les pieds ici. Je peux enfin rouvrir ma forge. Du coup, ça va, t'arrives à suivre? Je t'en prie. J'ai ressorti ces armes que j'avais cachées aux soldats. Et c'est là que pas trop? Vas-y, je te l'offre. Choisis-en une. Prends-en une. Elles ont toutes la même valeur. Mais là, je vois que mon wifi fait de la merde. J'arrive pas à bien envoyer ça sur Twitch. Et je sais pas pourquoi. Je sais que Marine regarde un truc en stream. Mais normalement, ça devrait pas causer de soucis. Il y a absolument tout qui est coupé. T'es en 4G ou t'es en Wi-Fi? Il me propose un arc, un marteau. Ça. Ce bouclier est fait de cuir et de bronze. Il protège bien. Certaines armes. Vas-y, oui. Tu passes à mon échoppe quand tu veux, Bayek. Ok, qui est terminé, frappez l'enclume. Donc lui c'est le forgeron. On peut améliorer des armes. C'est Bayek ? Ok, ça coûte chica cher. Ok. Mais là, ouais, je comprends pas. J'aimerais bien regarder un peu les rediffs de mon live pour voir si moi-même en regardant les rediffs, ça lag. En vrai, je vais aller faire ça maintenant. J'aimerais bien juste check, voir. Si c'est moi qui lag, c'est chiant. Tu vois, si mes rediffs lag aussi. N. J'ai l'impression que la qualité d'image est pas ouf, mais même si c'est pas tout le temps, genre ça arrive, c'est chiant. Oh, je sais pas. Je sais absolument pas continuer ça et j'aurai bien après. Oui, non, mais lui il m'intéressait du coup. Vendre. Ok, je peux vendre des choses. Très bien, mon ami. Tous ces trucs de mort un peu là, on peut vendre. Bouclier de Medjay. Tu trouves des choses si intéressantes, Bayek. Babiole. Vendre les objets inutiles ou superflus. Vendu. Mais bon, acheter, je peux lui acheter des choses, je peux en améliorer d'autres. C'est 1500 pour améliorer, donc ouais, on va pas faire ça. Et je vois qu'il y a un autre truc là, ici, et allez, on peut lui acheter des choses. Ok, et c'est détenu. Prendre, ok. Mais j'ai l'impression que l'équipement. Oui, ça c'est purement décoratif. Ça change en rien du tout, quoi que ce soit. Par contre, les armes, ça change. Ok. Je vais me mettre dedans. Attitude, j'ai une nouvelle attitude, donc je vais déjà prendre ça. Maintenant, je peux prendre deux armes. Et donc là, je me bats avec deux armes.
outils, j'ai pas encore. Ça, il me faut du bois pour augmenter mes brassards. Ok, j'ai toutes les choses ici à faire. Épingler du bois. Ok. Donc ça, ça a été fait, ça, ça a été fait. Là, je vois qu'il y a quelque chose. Là, j'ai une quête niveau 3. Une autre quête niveau 3, ouais. Le forax, c'est la quête principale. On va aller faire le radeau. Et pour aller faire le radeau, je dois aller là. Ok. Mais, avant d'aller là, je vois qu'il y a ça à aller faire. Pour le chemin. Tout ce que vous possédez, par les dieux Amon et Izet, vos enfants, Bayek est revenu à soi. En fait, je suis censé envoyer à 6000 kilobytes seconde. Et j'envoie de temps en temps à 4000. Et c'est absolument pas stable. Et je comprends pas pourquoi, parce que normalement ça devrait l'être complètement. C'est un campement ici. Parce que c'est réellement ici. Ah ouais, si c'est un endroit important. Il y a un coffre ici. Attends, il y a quoi? Il y a un truc important. Alors. Niveau ennemi, j'en vois un ici. Là non. Là oui. Tout tout toum. Là j'en vois un. Il y a des ennemis que j'ai pas encore vu. Ah oui, ça c'est la quête d'après. C'est là que je devrais aller. Mais en attendant, je vais me focaliser sur ici en dessous. Ok. J'ai vu qu'ici en arrière il y avait un coffre. Je ne sais pas quoi. Toutou. Ah ok, c'est du matériel et de l'argent. Nouveau lieu découvert. Corne de l'escarpement de corail. Je vois qu'il y a un campement qui s'en va par là aussi. Ok, c'est déjà 3 personnes en moins, ça c'est cool. Ok, ici il y a le deuxième gars. Là normalement si je tire sur le feu... Ok, là c'est la merde par exemple. Tu vois par exemple qu'on a déclenché ça, c'est la merde aussi. Plus trop. Je peux pas changer d'arme. Comment je change d'arme? Ok. Yeah.
Moi je change d'arme. C'est du poison, je pense. Ah oui, voilà. Ok. Oh là là, quelle difficulté! Si dur! Non, mais y'a un type qui va. Non. Ok. Il reste le boss. En vrai, en difficulté maximum, c'est galère. Parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Peut-être ai-je rêvé, mais j'ai vu d'étranges silhouettes au sommet du mont Amanai, au nord de notre campement. Nous sommes entourés de tombeaux et ça me donne froid dans le dos. Je n'ose pas grimper là-haut pour vérifier si ce que j'ai vu est humain ou une créature divine provenant du cas. Au pire encore, un esprit démon. Personne au campement nous y allait, même en les menaçant de les priver de là pendant une décade. Et c'est avec une lune a été leur réponse. Courageux soldat en patrouille, je t'ordonne de sacrifier ton âme pour moi et de me rapporter les informations dont j'ai besoin. Yops. Alors. Ici, il y a des trésors, des trésors. Ah oui, mais... Où est-ce qu'il y a d'autres? Ah là, il y a plein de trucs. Ici... Non. C'est pas ça que je voulais. Mais dans cette maison, il y a l'air d'avoir plein de trucs à ramasser. Ouais. J'adore les trucs à ramasser. Yeah. Ici derrière. Ah, c'était là au-dessus. C'était ça. J'ai moyen d'éteindre ça. Je me dirais pas. Hop. Pas mal d'argent là-dedans. Ici sur le côté, on a tout. On a du cuir rigide. Il m'en fallait en plus. Ici, on a tout. Manque un petit truc là, mais c'est pas grave. Et en attendant, on va pouvoir continuer. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Regardons la carte. Je sais pas si c'est un campement dans les montagnes ou si ça n'a rien à voir. Si la grotte d'Amanai. Voilà la grotte d'Amanai. Aya et moi venions ici. Les brigands doivent être à l'intérieur. Et en plus, ça a l'air d'être un gentil. Il y a plein de trésors par ici.
Et donc il y en a un ici. Ah, lui il l'a vu. Ok, c'est pas le seul qui m'a vu. Alors, est-ce que je descends ou est-ce que je vais voir en haut? Les flèches sont au maximum ici. Il y a l'air de rien avoir. Ici, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on a aux alentours? Là en dessous. Okay. Objectif du lieu, piller le trésor. Où sont les autres trésors? Normalement, il devrait s'afficher. Là il y a une entrée. Dors. Et le trésor est là en dessous. Et... ok, là. Et là il y a quoi? Des gardes. Ok, parfait. Donc là on a techniquement tout fait. Non, descend. Ah, je me suis fait. Ouais. Au secours. À tout moment, je mets le jeu en normal. J'ai l'impression de rater plein d'infos. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plein d'infos que je vois pas du tout dans mon jeu. Et donc il y a des rondes de 3 personnes. Ici une entrée. Ici il y a une information et ici et l'autre. Ok, là on a tout. Il y a là un peu plus technique cette fois-ci. Donc il y a combien de personnes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a les bourrins, c'est compliqué. Il n'y a pas des fioles rouges d'huile quelque part? Je dirais pas. Un de moins. Ensuite. Ils sont 3. Hop. Pas de moins. Il y a 13 heures là, est-ce que je l'ai déjà pris techniquement? Ouais, ça me le compte comme déjà pris. R objectif de lieu 1 sur 3, ok parfait. Donc là, il n'y a plus personne en haut.
soldats viennent, dis-le-moi, et je les paierai. Je peux faire assaut... Lui, je peux le neutraliser direct. Ok. Et ça one-shot pas. Ouh. Les paysans ont besoin de cette source. J'avais pas vu qu'il était là. Donc ils sont 3. Comment est-ce que je m'y prends? Ah, il y en a même un quatrième là que j'avais pas vu. Mais qui tire? Alerte! Par ici! Ok. Ici je suis vu, je vais rester au-dessus de l'échelle. Ah, y a même lui que j'avais pas vu. Gars qui me tire dessus avec des flèches par hasard. Je vais le faire. Je dirais pas. Et ça, et l'autre coffre est là. Les flèches, on en a un maximum. Ici, on a tout. Damana, il est terminé. S'il a l'air de plus rien y avoir. Lui. En fait, j'aurais peut-être dû venir par ici en bas, ça aurait été plus simple. J'aime bien les jeux en plus un peu espionnage, assassinat et tout. Et de, le fait de devoir aller discrètement fumer les gens, ça me régale. Ok, hop. Arc de guerrier, donc on est bon. Si vous désirez trouver une nouvelle quête, cherchez... Il y a la quête principale qui est niveau 5, mais je vais peut-être les faire dans l'ordre. Carte. Je crois qu'il y a une quête là au bout. Je crois que peut-être essayer d'y aller. Ici, ça a été fait. Là, il y a quoi? Maison. Je vais d'abord piller... Ah, mais il y a une autre quête là aussi. Cachette. Ok. Je vais piller la maison là, et puis je vais dans la... faire l'autre quête. Et pourquoi j'avais le déplacement rapide à disponible? Je peux y aller maintenant. Ouais, c'est ça. Parfait. Alors, la maison à piller, elle est là. Les flamants roses, je crois que je dois tuer. Et j'ai pas l'air de savoir viser. Alors, ici. Il y a le trésor. Je sais où il est. Et ça doit être ça du coup. Non ?
Ah non, il est là. Avec sa tête d'oiseau. Tu l'as trouvé, je peux le reprendre. Où est Kemu? On est terminé maison. Qu'est-ce qu'on a donc? On a une quête ici, cachette. On va aller vite faire ça. 180 mètres. Ça va toujours sur le chat? La qualité du stream passe toujours, il n'y a pas trop de lag ou quoi que ce soit? Il n'y a pas de voix trop forte ou autre? Oh nickel! Nickel, nickel! 40 mètres. Fenuku, c'est dangereux ici. Rentre chez toi. Bayek, tu es revenu? Où est Chenzira? Il voulait voir les crânes dans la tanière des hyènes. Mais les hyènes, elles sont revenues. Je me suis sauvé par là. Chenzira est parti du côté du tombeau. Quelle idée de merde. Ne t'es pas poursuivi. Rentre au village. Je vais retrouver ton frère. Quoi? C'est vraiment débile, les gosses. C'est Chenzira qui t'a entraîné. Ce sera à lui de le dire. Maintenant, va. Oh, ça que je vais faire. Ok. Tombeau de la montagne des morts. Oh, il est tombeau comme ça, c'est si beau. Akraten, Minotep le Grand. Plutôt Minotep le Minable. Impossible d'atteindre toutes les idoles dont je sais qu'elles sont ici. J'ai brisé à ces maudits murs, mes escarabées sont redoutables. Je voudrais avec de quoi tuer tous ces insectes. Okay. Ça veut dire qu'il y a un passage derrière l'escarabée. En attendant... Teti, fils de Minotep, le souverain, se tiendra à nos côtés dans l'autre monde. Il sera aimé d'Aman, le dieu qui se manifeste, le seigneur des beautés. Et en fait, si tu veux, les créateurs du jeu ont vraiment reproduit. Ont bien reproduit tout ce qui a été retrouvé, quoi. Ça, je trouve ça ultra stylé. Moi ça me passionne de fou ce genre de... D'ailleurs j'aimerais bien faire un truc... Ah j'ai encore un peu d'attitude... XP pour tir dans la tête... Arc de guerrier amélioré... Arc de prédateur amélioré... Oh ça c'est stylé... Flèche à toxine... Regarde un peu ce qu'il y a d'intéressant à faire. Clairvoyant, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? XP pour me démettre à coutier. Plus rare dans les boutiques. Achat d'ingrédients. Oui, faveur d'Osiris. Fil du temps, propriétaire de char. Champion d'apnée. Berserk. Série de meurtres discrets, enchaînement d'assassinats,
Maître chasseur. Un stade chasseur. Bien. Ranger d'élite. Tout tout tout. Y'a rien par rapport à l'assassinat pur? Berserk, champion d'apnée, fléchette empoisonnée. Apprivoisement animal. Oh, ça c'est stylé. Écran de fumée, pyromane. Arrière-boutique. Ça, ça peut être cool. Faveur d'Osiris, ça peut être cool aussi. Attaque aérienne. Attaque puissante. Tout, tout, tout. Léger, grêle de flèche. Flèche perforante. Moi, ce que je kifferais avoir, c'est l'arc de prédateur amélioré. Donc, ça demanderait quoi? Guérir pour deux. Ah, si, ah non, je dois aller chercher ça. Donner une aptitude liée, mais celle-là. Ah non, je dois obtenir celle-là, ok. Puis je dois aller là. Équiper la deuxième arc. Et puis après, je pourrais aller chercher ça. Ok. Astat chasseur, série de meurtres discret. Bon, je verrai après. Mais ce que je voulais, c'était enlever la... Ah, je peux améliorer ça. Augmente les dégâts au corps à corps ou augmente les dégâts... Ah, le nombre de flèches. C'est ce que je fais. Augmenter le nombre de flèches. Revenons-en à notre tombeau. On était par ici. Comment Chenzira a pu passer par ici? Agathoclea, mère de Teti, épouse de Minotep, le visage d'Agathoclea est... est tel que celui d'Upuahout. Lorsqu'il s'élève vers le ciel, les yeux d'Agathoclea sont comme ceux du grand qui est le chef des âmes d'Héliopolis. Puis son rayonnement triomphait dans l'autre monde. Ça. J'attends le gosse. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a ça. Et il y a ça. Temiwet, tu es le grand chat, le vengeur des dieux, celui aux yeux d'émeraude qui a marché par lui-même. Tu as reçu autorité sur le domaine des souris et des rats qui ont volé notre grain et tu as décrété que nous ne mourions pas de faim. Puisse la vermine être nombreuse sur ton chemin dans les champs de roseaux. Quand on parle des champs de roseaux, on parle de la douate. Et la douate, c'est... te rappeler la... ouais, une espèce de paradis. C'est les champs de roseaux. Mais quand t'as pas des rêves, ça doit être un peu chelou les choses dont on parle. Et donc le gosse a l'air d'être par ici. J'aimerais revenir en arrière. Là, il y a l'air d'avoir des choses que j'ai pas faites. Là derrière, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées? Comment je fais? Donc le gosse a l'air d'être là. Ah, ça, je peux peut-être allumer. Ah oui, je peux allumer. Trop bien. Alors. Chenzira, reste où tu es. Je viens te chercher. Bayek, c'est toi. Tu es revenu. Il y a des objets bleus par là, mais je peux pas y aller pour le moment.
Donc j'ai bien tout débloqué ici, on dirait. Chenzira, tu n'as rien ? Ne reviens pas, tu es de retour. Tu ne devrais pas être là. Je me cache des hyènes. Et Nuku m'a tout raconté. Prendre des risques, ça ne te suffit pas ? Il faut aussi que tu mettes ton petit frère en danger. Mais... depuis que Kemu... Ça va, je comprends. Viens, je vais t'emmener ailleurs. Bayek, regarde ça. Je me chope à gosse. J'aimerais bien le savoir. Ça doit être ancien. Un jour, j'apprendrai à lire ce qui était. De vieilles écritures. De l'ancien royaume. Par où tu es entré ? Ok, un succès. Lieu terminé, un point d'attitude, ça c'est bien. Alors là derrière, ça je peux récupérer maintenant. Pour Kemu, c'est ma faute. Ils ont demandé où tu étais et j'ai pas pensé que ça allait tourner mal si je leur disais. Ne t'en fais pas, Genzira. Vous pouvez pas deviner ce qu'ils allaient faire. Yeah. Là au-dessus, j'ai fait. Pour le moment, je peux plus avancer. Je peux me caler par là. Est-ce que je l'ai lu? Amon accueille Minotep car il était possédé d'un cœur divin bienveillant envers les dieux. Il a donné au temple de l'or en grande quantité, des émeraudes en grande quantité et du grain en grande quantité. Il nous a quittés et a offert de très généreux cadeaux spirituels afin d'assurer la prospérité de Siwa et de faire progresser ta mère. Ta mère? Ta merde? Ta merde ou ta mère? Reste près de moi. Par ici. Non, glisse, allez. Ok. Et le gosse, il reste au-dessus ? Plus ça, non ? Ah mais oui. Mais c'est pas qu'une hyène, c'est... Bon. Il y aurait qu'une hyène, c'est encore, mais... Ok, il est niveau 1, lui. Allez, non, mais je veux descendre du caillou. Ok. Je peux te demander quelque chose ? Tu peux. Tu penses que je pourrais devenir Medjay un jour ? Eh bien, commence par arrêter d'emmener ton petit frère dans tes tanneurs de Yen. Non, rentre chez toi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai ratées ici. Tombeau de la montagne, ok. Mais on a quand même des attitudes, donc je crois que je vais partir par là. C'est quoi, j'ai deux poids d'attitude. Ouais, je vais aller chercher vite fait. Là, et il me faudra deux points. Après. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'était pas ça, c'était sur table. On a la quête principale. On peut mettre un deuxième arc. On va mettre l'arc de prédateur. En inventaire, on s'en fout. Jouet de Kemu. Donc Kemu, c'est le fils de Bayek. Comme ça, tu situes un peu. Alors, hop, celui-là est meilleur. Et niveau arme, j'ai rien de mieux pour le moment, à part une arme lourde que je n'ai pas envie. Et on est bon, donc quête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une quête ici, niveau 3. Ici c'est quoi? Niveau 5, promesse de Bayek. Ok. Et là, là il y a un truc. Je vais d'abord aller là, explorer les zones un peu inconnues.
Ah mais d'ailleurs il y a un... On va y aller maintenant. Siwa. C'est où sur la carte techniquement Siwa? Qatar Depression. Alexandrie. Gizeh. Place où il y a les pyramides. Ah, on voit déjà une pyramide, deux pyramides. Ok. Il est où ce fils? Bah pas encore là. Trouver le papyrus caché. Mais il y a des ennemis ici, non? J'arrive plus à cibler les... Ok, si, c'est bon. Elle est pas très cachée, le papyrus. Et Renku. Ah si, ouais, tu me trouveras au fond d'un seul... du seul bol assez grand pour un dieu. Ah oui. Ça, c'est des papyrus. Et en gros, c'est des trésors à trouver. Ah, c'est là au bout le truc que je veux faire. Ah, c'est loin. Mon cheval il peut venir ici, nickel. Viens là mon coco. Hop. Et on va aller là au bout. Ya. Pourquoi il court pas? Allez vas-y, c'est bien. Il y a une quête ici aussi. Promesse de Bayek. Ah mais c'est la quête niveau 5. Bah je vais y aller, tant pis, je suis devant. Mon fils, tu voulais les étoiles. Les cercles de pierre indiquent l'emplacement des dieux dans le ciel. Un jour, ton grand-père m'a dit qu'ils indiquaient aussi notre place dans ce monde. Il est là, son fils. Je vais trouver tous les cercles de pierre. Le sphinx et les pyramides aussi. Et je trouverai ma place. Tu auras les étoiles. Interagir. Ok, je dois trouver dans le ciel. Ah là, ok. Ok. Alors, c'est qui Amon? Lieu terminé, cercle de pierre d'Amon. Quête. Promesse de Bayek. Le faux oracle. Ok, il y a deux quêtes ici. Mais moi, c'est là que je voulais aller. Play.
Oh, j'ai fumé quelqu'un sans faire exprès. Il est sorti sous les pattes de mon cheval. J'aimerais bien avoir une selle ou alors un siège qui bouge comme si j'étais à cheval. Ouais, ça stylé. Il y a des choses que je connais pas ici. Ah, ça c'est des méchants, non? Ah oui, genre eux là, c'est des gros méchants. Ah, il y a de l'or. Est-ce que j'essaye de piller le... Ouh. Ils veulent carrément me fumer en fait. Je vais essayer de faire mon pleutre. Apparemment je vise pas bien. Lui m'a vu. Lui m'a vu. Il y en a un autre, non? Ah oui, lui. Ok. Mais elle ne me tente pas, hein. Ok, pas de récompense ici, trop bien. Et la quête est-elle là? Hop, on descend. Rabia. Bayek. Rabia. Bayek. Bayek, ça fait fort Balek, hein. Je m'attendais pas à la revoir. C'est une vieille coriace. Comme toi. Ah, drôle, je suis vieille. Ebzefa dit que tu fais de ton mieux pour guérir les villageois. Je serais ravi de pouvoir t'aider. C'est gentil à toi. Que ton cas soit béni. De l'aide, ça ne se refuse pas. Les soldats sont des brutes. Tous les villageois ont des coupures, des bleus, des os brisés. Pour les aider, j'ai installé une maison de vie de fortune dans le temple en ruine. On m'apportait des remèdes d'Imou, mais les soldats arrêtent tous ceux qui viennent au village pour les dévaliser. Alors, nous avons essayé de faire venir les remèdes par bateau. Mais les soldats les arrêtent aussi. Ils ont coulé ma cargaison. Les jarres de remèdes sont toutes éparpillées au fond du lac. Je vais te les rapporter. Merci, Bayek. Apporte-les au vieux temple. C'est là que je me rends. Ok, le vieux temple. Les remèdes pourraient être n'importe où. On fait cette quête là du coup et on doit aller dans l'eau. Je me réjouis middle l'eau. Mais ça je peux. Viens là. Oh oui, je l'ai eu. Nickel. Ah, déjà là il y a un trésor. Les goélands, tu te fous de moi? T'as vraiment dit les goélands? Où est l'autre? Bon, j'ai tout. On dirait que j'ai tout. Trouve les jarres dans le navire coulé et les récupérer. Ah mais là, ça je dois le tuer. Viens là. Nickel. Y a une différence entre Goéla et Héron quand même. Et encore ça, c'est peut-être pas des Hérons. Ça doit être des aigrettes ou des ibis. Hop. Chez.
Ça c'est des héros. T'aimes bien le mot goéland? Ouais. Maintenez pour nager vers le haut. C pour nager vers le bas. Faire une pointe de vitesse. Comment je vois ma... Elle est là. Ah, ça freeze. Est-ce que c'est un crash? Y'a moyen que ce soit un crash. J'entends toujours le son du jeu. Allô? Ok, on m'entend plus du tout. Et oui, c'est un petit crash. Gestionnaire de tâches. Performance. J'ai gardé mes performances allumées à côté de moi. Parce que peut-être que le jeu demande trop. Là, sur tous les jeux, je crache. Je crois qu'en fait, c'est juste faire du streaming. Il me faut une meilleure carte graphique. Tout. Ça c'est faire décaler. Ah oui, c'est mon processeur qui... Le jeu fait mourir mon PC en setup. Ah ouais, non, c'est que le lancement. Ah, quoique ma carte graphique elle est en PLS. C'est ma carte graphique qui est en PLS. Comment ça se fait qu'elle est si forte en PL? Ah, c'est... essayer de... déjà... désactiver l'aperçu. Le mec devrait être n'importe où. C'est nous qui l'aider. Du coup, carte graphique... ok, carte graphique, ça va vraiment pas. Quoique non, c'est bien que la carte graphique soit au maximum. On veut qu'elle soit au maximum. J'ai tout. Donc là, il reste un truc à 60 mètres. Alors, je crois que ça recrache. Je crois que ça kiffe pas. Ça kiffe pas l'eau. Ouais, ça recrache. Ouais. Je crois que... hop, on va quand même envoyer le rapport. Mais je crois que ouais, je dois peut-être diminuer un peu les graphismes du jeu. Puis ça doit être ça qui fait planter. Dommage. Je pensais qu'un vieux jeu comme ça, mon PC pouvait le faire tourner tranquillement en stream. Mais c'est OBS. OBS plus gros jeu. Je me rends compte que mon ordi tient pas trop. Après, peut-être que
J'ai mis mal au S aussi. Ce n'est pas impossible. C'est peut-être aussi parce que je suis en écran 2K. Et que pour streamer, je devrais peut-être passer en juste HD. Parce que là, du coup, ma carte graphique, elle affiche blindée. Si je fais juste, par exemple, option. Non, je vais toucher à rien à ce niveau-là. Non. Je vais... Des graphismes, je vais les mettre en élevé. En moyenne. Hop. Ah, et le jeu doit se redémarrer vu que je les mets en moyen. Ok. On va y arriver. Il y a un moment. On va y arriver. Ok, déjà ma carte graphique là elle respire un peu. On va voir si le passage dans l'eau quel coup. Mais normalement ça devrait, là ça devrait aller mieux. Ok. Quoique, ça m'a toujours l'air aussi élevé. Ouais, ma carte graphique galère toujours autant et je comprends pas pourquoi. %, 95%, 93%. Et ici, niveau option, graphisme, sur moyen. Moyenne, ombre moyenne, détail de l'environnement, texture. Donc là ça a l'air bien. Après ça se trouve c'est vraiment juste cette zone qui fait bugger. Ce n'est pas impossible. On va retester. Donc ça on a pu récupérer. Ouais non ça va pas. Quelque chose ne va pas, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire si je fais ça? Ok. Comme ça, c'est un peu dégueulasse. Je suis comme ça.
Je mets celle-là. Je relance Assassin's Creed. Je vais tenter quelque chose. Ah mais du coup, il faut que je change les paramètres OBS. Euh...